segon. Nou pe bo san pou defan segon bat mama o. Nou pe bo san degaze segon. Nou pe bo san pou defan segon bat mama o. Paro lo koze dan san ramas ton ekipaz. Si mama o desan a tem o pou montre li ka pe la o. Bonsoir l'île Maurice. Bienvenue aujourd'hui dans cet épisode Blois d'antan pour nous parler à la rencontre d'un artiste, un chanteur, aussi un membre de l'équipe groupe Les Cultures Sagos. C'est Monsieur Cyril Fossi pour nous faire plus connaissance. Nous connaît maintenant en tant que portrait à part entière du groupe, lui en tant qu'artiste, ce parcours musical, sur l'amour pour la musique, comment il démarrait depuis quelle époque. Reste avec moi. Salut Cyril, ça va? Ça va, oui, merci toi. Cyril, c'est un plaisir pour moi pour rencontrer aujourd'hui. Bien sûr, pour nous faire un Mauricien, découvrir au parcours musical parce que ça fait longtemps qu'on a démarré. Aujourd'hui, ou à fond avec le groupe Kiltia Sagos. Raconte-nous, Cyril, si nous faisons un retour en arrière bien zen. À quel moment dans la vie, Cyril, sur l'amour, sur passion pour la musique démarre? Disons, de l'étant à l'âge de 17 ans, on commence à taper la guitare. On commence à pratiquer, on trouve la cause. Deux sols, mais on commence à développer un petit peu. Et là, en 75, petit compte en mimose, ça l'époque là, les années 70, 72, on commence à faire le compte mimose. Et là, nous voyons le 20 décembre 1975, nous voyons l'église cassée. Après, là, on va quitter, on va grandir dans Valédie. Là, on va quitter Valédie. Et dans Valédie, quand je suis resté zen, je suis un camarade de ces musiciens. Quand je suis venu jouer, quand je suis venu à la porte, je suis venu à l'orchestre à l'époque. Je suis venu à l'orchestre à l'époque. Mais là, je suis un camarade. Là. Quand je suis venu à l'amour. Il y a sa goût là, quand même. Je commence à pratiquer, je suis venu à l'école. Après, en 1975, j'ai un beau frère, nous sommes à l'école ensemble, après le petit père Disney. Après, j'ai un beau frère, en 1975, et là, il m'a dit, viens la musique pour moi, parce qu'il aimait ôter un compositeur, il faisait pas de bouche, tout le monde. Et au contraire, quand j'ai un antenne, à l'époque, je faisais cassette. Et là, j'ai commencé à jouer basse, il m'a montré, moi, la musique, une bande à cour, une affaire. Et là, j'ai commencé à jouer basse, c'est là, son élevé. Ici pratiqué, quand j'aime tout le temps, nous faisons jouer la musique. Quand j'aime un badinage pour ça. Trappons la guitare, ou. Et quand nous trappons la guitare, nous jouons un disque, quand j'aime. On prend là. Quand j'aime faire un développement pour nous-mêmes. D'accord. C'est moi qui joue la musique pour mon plaisir. D'accord. Une passion, comment dire. Ouais, une passion, je joue la musique, quand elle joue, ça gagne un casque, gagne un casque, pour moi, il n'y a pas de problème ça. J'ai une passion de la musique. Mais là, dans mon jeu de la musique comme ça, je joue un bon camarade. Comment ça s'appelle? Ben Yanassi, ici, c'est un soliste. Il dit, il est vraiment sérieux. Il a un groupe avec beaucoup d'éruption. On pose une parole, on nous a donné parole. Rosine, plaisante, ça nous plaît. Je ne sais pas, il y a un peu de musicien. Il y a un peu de rythme. Je m'en venais faire des tours, nous étions coûte la vérité. Là, on commençait à la mauvaise travail. Faire quand même, hélas. Des fois, par semaine, nous votre skate là. Vous montez. On va faire un peu de choses. D'accord. Ouais, quelle année nous causer là? Là, dans l'année 90, ça. L'année 90, oui. L'année 90, pour commencer. Là, on commence aux autres. Là, ben, je n'ai pas été aux îles, je peux gagner. Et nous jouons beaucoup, Michel, à l'époque. Hein. Ok. Mais là, on commence à entendre une chanter qui vous faites une composition pour moi. Là, on va faire un clic là. Chanter, on va comparer. C'est moi qui suis tout une discomposition. Même. D'accord. Ça, le groupe là aussi, pareil. C'est bon, bon, pas du jour. Ah
Et si nous vous rappelle justement qui premier morceau vous ferait écrire pour vous, le King Chikose? Oh oui, nous tenons Diego là-bas dans nos îles natales. Nous tiens, nous tiens, nous gagner, dada, nous pratiquons la misère. Les nous tannes cisées, nous payons de calorifère. Écoute la bâtie dans nous la main. Nous payons le travail. Si vous avez raconté ça la vie, moi ça m'a dit, mon âme, raconte la vie. Et ici, il fait ça même chose. Mais ce moment, il n'est pas les gars, c'est même grandi dans sa gauche. D'accord. Et là, ce moment, raconte ça même la vie. Il tient parole, il dit chose. Et là, il m'a senti ça même dit cela, on pense, à mot cela. Mais ça, on nous a pendant 5 ans de corruption. Aux îles, nous tiennent 3 guitares pareilles, l'orgue, saxo, trompette. Et complet. Puis, si complet, je suis à peu près une 14 musiciens pour la plus comme ça pour un mot sur le Diego, pour faire vos problèmes et travail là-dedans. D'accord. C'est-à-dire, maintenant, compagnie, ça va être ça. En écoutant, nous comprenons qu'il y a une énorme connexion de Cyril Fursy avec les Ilois. Chez toi avec madame Mimose qui nous salue. Comment cette connexion là fait? Comment vit ça? Biro qui cassé de là. Et là, il crée un groupe tambour à gauche. Il y a un petit président, Kadia Grand Groupe, un petit président madame. Alors, c'est là qu'il crée ça, nous commence ça dans le bureau à gauche. Après, là, nous évoluons. Si nous retournons un petit peu plus avant, quand l'époque où tu peux jouer avec un camarade, la guitare, tu vois là, qui est-ce une influence musicale, Cyril? Qui est-ce que tu peux écouter? Qui est-ce que tu peux jouer avec un artiste? Tu peux jouer avec un autre? Vous connaissez, c'est une bande de choses, vous ne connaissez pas, appelle Loco Loco. Vous ne pouvez pas entendre. Après, tu es dans un bon disque, tu es dans un bon disque, tu es entier. D'accord, un peu caraïbe. Oui, un peu, mais mon beau-frère, il fait solo. Parfois, il invente une bonne affaire, il aime. On prend là, il crée une bonne musique, que nous jouer. Et il connaît le système de jouer. N'importe qui est solide pour jouer. Car nos oreilles étaient moins faux. On prend là. D'accord. Nous mettons un arrangement, nous faisons une bonne affaire, et nous connaissons. Comment un parmi nous fait des rats et notes là, nous finissons d'en dire. Ou quand on va pas mettre ça, nous ne nous gavons. Pour les clavissiers, pour que tu fasses sourire, on finit connaître votre tannis là. Une rat et notes. Et il compte improviser beaucoup quand il fait sourire. Ouais, improviser beaucoup quand il fait sourire. Et vous avez compris, il dit quand il fait improviser. Vous avez du temps. Vous ne pas garder le divan, dit ralenti. Et tu es content de mettre vos choquets à péter. Donné, en tant qu'un guitariste, quand tu peux commencer à l'âge de 17 ans, on peut intéresser à la musique, à un moment donné, le parcours, on commence et ou pour approfondir la guitare ou ça ne continue pas au même. Mon beau-frère, là, il m'explique beaucoup. Après, il montre moi, une frappe. Il y a une vitesse V. Il tout le temps, on peut me zagabler. Il dit, quand même, il est là, beaucoup de choses qui arrivent, vous comprenez. Après, c'est la musique qui est content, je suis content de sa dose. Sa dose, et je suis content de faire un solo grave pour lui. Sa dose, c'est un solo qui fait. Il prend en bas, après il monte là-haut, il redescend, et il fait ça. Mais moi, je suis suivi. D'accord. Donc voilà. Et tu peux faire basse, là, derrière les temps, sur le DV, bon. Les langues, ils m'ont servi, mais accompagnement, sa dose, pas tout Michel qui a fait ça, parce qu'il va devenir la musique longtemps. Ouais, c'est terrible, mais bon, c'est dangereux comme ça, terrible.
Zodi me dit ou avec le groupe Kiltia Sagos, ou peut défendre ça la musique là, ou peut vivre sur scène avec Ban là. Donc ils ont la musique Cyril par contre, les plus rétro, les plus content faire parce qu'à l'époque où tu peux jouer Ban Shadows, tu peux reprendre Manos Occidental, Zodi Zou dans la musique traditionnelle, qui la musique au plus rétro vous qu'ils ont musical. On veut dire Ban vrai Ban Zou musical qui nous joue puis beaucoup Ban Sega. Hein? Sega qui avait c'est Ban composition. Nous faisons une composition de Sega, après là, parfois, on a joué du Kadjadou. Quand on a joué d'un anniversaire, de même chose. On jouait une voix, il était Sega, les autres. Kadjad, c'est ça, en musique, en compagnie. Mais la plupart du temps, même les groupes de production, on ne faisait plus beaucoup de composition. D'accord. On tout le temps retrouve l'originalité création depuis le début que vous démarrez, comme on dit. Oui, comme ça, on travaille beaucoup dans la composition. On faisait comme ça. Mais après là, Kadjad est en train de me poser avec la guitare. Là, mon frère, mon cadet, vous connaissez mon contrôle sur la musique dans l'ensemble. Ok. Si vous demandez pas ces étapes de la guitare, vous touchez le pouce. Cadet, il y a souvent des affaires qui vont rouler, mais l'ensemble, avec moi, quand vous pouvez jouer la musique, vous écoutez tout ce qui, tout le monde, musicien qui se peut faire. Bon, c'est pas, et la musique, tout le temps, vous allez commencer avec une finition. Ça, vous allez qu'on fait aller, ça. Bon, on commence un morceau, qu'on finit. Ok. Après, il y a là où il y a une base, vous avez connu. Si vous prenez une certaine vitesse, vous avez gardé ça. Mais vous faites une brique là-dedans, c'est pas que vous travaillez, vous reprenez. Vous avez refait même chose dans le système que vous prenez. Ça veut dire pour vous, il y a pourtant qui peut jouer la musique, qui est propre, qui est respecté, qui est d'accord. Qui a sali, madame, lundi n'arrivé. Lundi n'arrivé, moi, n'a des trois mots pour vous causer. Sol, wal ba ti be grambe Si mo ti grambe la ba Si ni ti ti be Si ni ti ti be Mo cha plis koko di van michena Visite koko Visite koko michelo Visite koko Ta pa gen la ta si de se men O li le le cause la musique même diamant sinon la musique qui est représentée pour Cyril c'est ça le temps où on pose la guitare là on rentre dans le cas diamant rentre typique mais après c'est ben là je pas jouer à van une différence avec mon chien parce que mon chien je battre à van mais là je prends ban carte sega qui quatre sur quatre frappe c'est sega et on comprend ça mais je saute culture et autres cas de santé je ban façon de jouer à van un autre les différents. Différents, ouais. Ou pas qu'au la vie, fait que Cyril rencontre Mimos Percy, Sacha Gossienne dans l'âme qui vient atterrir à lui Maurice. Lazo fait bien quelque chose, parfois nous vient dire, on peut trouver avec groupe Kiltia Sagos. Raconte-nous ça l'aventure au sein du groupe Kiltia Sagos. Oui, ça va dans l'époque, enfin, Kiltia Sagos. À peu près, l'année 2000, quoi, là, faut que. Parce que, allez, jusqu'à Kiltia Sagos, il n'arrive pas aux choses. Au patrimoine mondial, l'UNESCO. Nous réussissons à l'Égypte. Le gouvernement s'est venu à l'Égypte en février 2019. Nous avons fait une semaine à l'Égypte là-bas. J'ai fait tous les 10 ans que je fais ça. Je fais ça, mais le gouvernement s'est venu à une troisième. Please go, Jimmy.
justement comme on est cause l'UNESCO, ces gâteaux bous à gauche inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité avec l'UNESCO. En même temps, ça l'événement a fait qui groupe quitte sa gauche pour prendre avion pour l'Égypte. Raconte une bonne anecdote, un bon souvenir de ce voyage là, de ça l'époque là, ça l'étant que tu vives ça l'événement là. En fait, voyage là, bon souvenir que vous gardez, ça l'époque là, étant allé, c'est en hiver là-bas en Égypte. Hein. Vous avez, on dirait, blindé mes jackets, c'est moi qui ai besoin. Nous besoin de tirer ça, nous mettre nos uniformes. Oui. Bon, donc, enfin, nous sommes malades, bien la grippe, tout. Et ben, habitué. Oui, mais pas habitué, frais, sous, les temps où nous mettons, ou pas jouer là, ou nos jackets. Les temps où nous montons là, ça nous besoin de tirer. Bon, bon. Mais, enfin, nous bien virés, bon, partout. Et nous serons dans un hôtel, nous avons mangé bien super, bien recevoir nous. Mais, on va vous dire aussi. Enfin, bien passé quand même. C'est moi ce problème, l'Égypte, je peux être roster. Comme moi, bizarre où, pas jouer telle place, jusqu'à dans mon couvent, tout le monde, quand je fais mal jouer, quand je dis que l'Égypte est un pays où il y a beaucoup de monde misère. Ok. Beaucoup de monde misère. Un pays où il y a beaucoup de poussière, enfin, sur un endroit. Comme à Dakero, c'est la ville bien jolie. Sur un hôtel, sur une affaire, il y a correct. Mais après, il y a où il y a. Nous voyons à 19 ans dans un bus tout cela, pour se donner un endroit ou aller dans l'autre. Pour aller dans une place 4 ans, je dis, nous, on va faire répétition, c'est pas quand matin là. Les veillants, vous avez fini par là, vous allez, vous dites, vous venez par une heure, des heures, vous allez déjeuner. Tantôt 5 heures, vous avez fini par aller. Comment vous allez là, les autres, vous pouvez aller. Vous pouvez aller, vous pouvez aller. Là, je manque un peu, enfin, pas on est, je manque un peu l'expérience, je classe de bonne. Mais sinon, bien passé. Ouais, il y en a bien, tiens, faut tout ça, là, bien. La même, ça m'a causé! Naïs, ça m'a causé! Alors, avant, où tu faisais la guitare, mais quand on résonne les groupes qui étaient sa gosse, on retrouve, vous venez l'autre musicien, où commence de Maravan à Stéa. Comment nous sortis de la guitare Maravan? Raconte-nous ça à l'époque-là. Comment on prend de Maravan? Les temps, fait que je forme de sa gosse, à l'époque-là, moi, je fais battre Yang. Je commence à battre Yang, mon premier CD que je fais, ouais. Je mets Yang là-dedans. Oui, mes CD. Après, même au sommet de santé, ça me prend maman, quand papa souvenir nous ancêtres. Ça l'a envoyé CD, il y a une Alissa. Après, moi, le Cécile. Le mal Cécile, vous connaissez le coco, ça couille. Il y a un bâton, il y a un rond. Il y a un autre verre de coco là, vous mettez la graine là-dedans. Donc, moi, ça couille coco. Quand j'ai dit, vous sentez, vous mettez des cocos dans la main, quand j'ai dit, vous donnez ça de rythme. Donc, moi, ça coco là. Et moi, dans la région, plusieurs fois, cela, c'est le cabardouk, la région, et que ce frère m'a viré, nous venons là-bas nous jouer ensemble. Une semaine, ça le fait là-bas, une semaine, concert, il y a ça le fait là-bas. Après, on va manger sa gauchine, ça le fait. Après, étant moi à la région, on va donner chacun un petit maravan, pour qu'on s'en prenne. On va prendre sa couille maravan, c'est-à-dire, on est quand même un musicien. On nous a fait, c'est pas difficile pour nous capter. Ban son, ban, enfin, ou aussi à côté de la musique, vous voyez, vous comprenez, vous voyez, vous commencez à couiller, vous commencez à mettre, vous écoutez, et vous n'en prenez pas moins, personne n'en prend pas. Ouais, vous n'en prenez pas moins, allez, allez, jusqu'à l'an dernier, personne n'en prend pas compte de sa couille, moi. Mais ce qui est lamentable, il a maravan qui a eu sa couille. Il ne peut pas s'en tenir, mais il détravaille en même temps, pas tellement facile. Parce que maravan qui a eu sa couille tout le temps, en cadence. Vous avez, quand il y a ce rythme-là, comment ça peut marcher, vous avez connu, quand vous pouvez rentrer, quelle façon vous comprenez. Parce que ces garavan, ils commencent, après, là, il orgue, vous comprenez, ils comme ça. Mais là, pour l'amour avec maravan. Du coup, on commence à faire maravane. Maravane. Là, longtemps, tu fais sans santé, mais c'est pas trop santé, mais plutôt, je dirais. Musicien. Musicien. Vu qu'il y a un artiste qui commence la musique bien longtemps, c'est à l'époque. La musique, je sais que tu es trop accepté, tu es un peu mal vu. J'ai envie de dire, nous, Cyril, mais pour les parents, comment ça t'est passé à l'époque où tu as envie de lancer la musique? Est-ce qu'il m'a accepté ça facilement? Comment ça à l'époque là? Parce que les enfants, mon papa, t'es séparé avec moi, je suis un peu d'enfant. Et là,
Coutureuse Valédi, pour vous personne contracteur. Enfin, quand j'ai pas moi-même qui m'en a intéressé. Quand j'ai dans la famille, pas un musicien, je suis camarade, je suis intéressé à la musique. Voilà. Mais à ce stade, tout le monde a fait la musique, il y a sa gosse là. Lui, quand j'ai eu un instinct pour lui personne. Parce que mon gars, c'est quoi, c'est ça, il m'a dit, il était trafiqué, il était composé, après il mettait une bonne affaire, il prenait des paroles. C'est-à-dire qu'il y a des études sur la musique ensemble. Zo disait, oui, nous, bons enfants, une transmission musicale culturelle qui est passée dans la famille Fessi, bons enfants, une prof flambeau. C'est une fierté, vous pensez, pour vous, Zodi, non? Je suis content parce que dans vos familles, vous avez un seul qui se commande la musique. D'écouter mon grand frère, mon français. Mon maman, Zen, vous rappelez, nous sommes tous enfants, ils sont en santé longtemps, c'est la mamie. Ben, comment tu as vu ça? Ben, gros, la guitare, bafou, même ça, ben, gros, bafou, ça, ben, n'est pas longtemps, là. Nous sommes tous les enfants en santé, en fait, ils sont dans l'église, ben, cantique, c'est pas. Bon, il y a longtemps, c'est la Zibouza en santé, ben, il y a Ave Marie, il y a pas qu'elle a fait, ben, d'affaires. On est là. Mais, quand j'ai moi, maman, il ça, après, elle a dit, il posait avec sa bonne affaire, là, il dit, mais il pas si, quand j'ai pas si trop, moi, j'ai insisté avec maman, comme ça. On va pas se tromper dans sa bonne affaire, là. D'accord. Il n'est pas capable de dire qu'on entend la musique. On va dire qu'on entend la musique. Après, là, moi, je suis fourni. On va de la musique. Là, je suis un enfant. Mon garçon, il est compositeur, il est content de faire un morceau, un reggae, un. Comment ça s'appelle? Un segué. Et ici, il crée sa musique, il fait sa parole, tout. Ici, faux. C'est faux. Ici, il gosse. Pareil comme moi. Oui, je sais pareil comme moi. Je jouais basse, après je jouais longue. Cyril, valeur du jour, là, si bizarre, il trappe la guitare, il jouait ou encore comment se sentir. Est-ce qu'il a envie de faire un livre ou encore capable de faire un livre? Comment ça passe? Si vous trappez la guitare, vous pouvez lire, on comprend là. Ça lit dans moi, mais c'est mal libre, pas pratique. Pas pratique. Là. On parle là. Banco, il peut finir dans la guitare. Mais c'est mal, vous rattrapez la guitare. Yoko là. Pareil, la fois dernière, vous bougez, c'est qu'il y a 80 ans. Mais un garçon travaille là-bas, il travaille l'hôtel, en même temps, il travaille des jours l'hôtel, des jours là-bas. J'ai une chose, madame là, j'ai besoin d'un cigare pour quelque chose. Il y a souvent un camarade, mais à ce moment-là, il n'a pas le but. Comment ça arrive? On met la guitare, on met des affaires là-dedans. On sent qu'on a un cigare qui est autre chose. Mais vous avez dit, vous avez combien de temps pour taper la guitare? Il y a moi où vous n'avez pas fait. Et vraiment, vous avez dit, on trappe la guitare au flot, maintenant, parce que je coupe gâteau, quand j'ai fait une vieille mamzelle, ça. Fait une surprise, dans le jeu d'Espéville, ça. Et il dit, vous voyez, il y a un trappe la guitare, là. Il est venu volontairement. Et il y a un petit, dans l'époque, bien ce cigare, vous comprenez, là. Ouais. Volontairement, il est venu, moi, je me dis, ouais, terrible. Quand j'ai un petit peu hésité, je me dis, quand vous faites la pratique, parfois, vous n'êtes pas capable, mais non. Camarade, pourtant, nous avons mis ensemble. Tout ce qu'il mettait, on se dit carré. Ça fallait toujours là, comment dire. Il est toujours là. Nous pouvons arriver à la face à l'émission là, Cyril, ou avec le groupe qui était sa gosse. Est-ce qu'il y a un morceau qui vous plie content, qui touche particulièrement quand vous jouez, comme on appelle centre? Qui morceau ça qui fait? Ça, morceau qui vous compte, enfin. Parfois, je me sens, parfois, je suis centré. Je tiens à 13 ans. Il raconte tout sur la vie. Il dit, quand j'ai 13 ans, il saute à gauche, il dit. Il raconte tout sur la vie, comment ça s'est déroulé, il va de souffrance, il va de faire comme ça. Après, il y a des autres cours, il y a plus, il y a des autres. Merci beaucoup Cyril. On arrive à la fin de l'émission là, on dit merci. On arrive à Marco tout de moi les temps qui nous intéresse nous au pot. Très Cyril fait aussi parce que c'est vrai nous trouvons la scène, nous trouvons des avec groupe qui sa gosse sans qu'ils nous connaissent ou pas musical, mais pour démarrer, comment ça commence. Merci beaucoup. On arrive à Marco tout de moi les temps. On permet de découvrir aussi qui va nous aussi qui peut nous aussi. Merci. Merci à vous aussi, à vous, à l'équipe.
Fin de cet épisode, gloire dans temps audit, quand on a découvert un peu plus en profondeur, fait une immersion le parcours artistique musical de Cyril Fercy qui compagne de Mimos Fercy qui nous salue. Nous salue aussi groupe entier, groupe qu'il tient sa gosse qui fait guette nous audit. C'est ce que je vous embrasse, chers téléspectateurs. Moi, j'espère que vous passez un agréable moment à réécouter et apprécier groupe qu'il tient sa gosse audit dans sa émission là. Nous vous donne la semaine prochaine pour un autre épisode de votre gloire dans temps. Ciao!